La Jalousie di Philippe Garrel è l'unico film francese in concorso alla 70ª edizione del Festival del Cinema di Venezia. A presentarlo ci sono il regista insieme ai suoi figli Louis Esther Garrel e la protagonista femminile Anna Mouglalis. Il film, tutto in bianco e nero, affronta il tema della gelosia e del tradimento nella coppia. L'art naît aussi bien dans le camp des bons que dans le camp des méchants. Bon, alors peut-être vous me dites... Là, vous êtes un peu méchant avec les femmes, mais je ne vois pas en quoi ça peut être une réserve par rapport au fait que ce film appartient quelque part à un genre de cinéma qui peut-être bientôt n'existera plus. Qu'il y ait des conneries dans les films qu'on a aimés, de François Truffaut, ou de Jean-Luc Godard, oh, il y en a aussi, oui. Que ça soit peut-être une connerie, c'est possible. Mais je ne vois pas en quoi ça peut être introduit dans une discussion sur l'art. Je pense que c'est une question morale. Et ça, je pense que c'est l'étude... c'est une étude constante qu'on a, et ça fait... C'est une des principales... chose intéressante dans la vie, le fait d'essayer de communiquer entre les hommes et les femmes, et je pense que c'est très compliqué. Et l'art est en quelque part, c'est pouvoir se livrer à cette étude entre les hommes et les femmes. È difficile di trovare un homme qui si fa lasciare e qui non trova colpa alla donna qui lo lascia, no? In generale, non c'è un uomo qui dice a ragione, lei ha... Perfetto, on trouve toujours des histoires, non? Je sais pas. E si on imagine que... Si immaginiamo che il film è fatto da Philippe pensando alla vita del suo padre, che è normale che lui trova dei... Come dire? È fatto sul modo critica un po'. Mais le personnage féminin, c'est un personnage d'affranchi plus. Donc c'est aussi une projection, parce que ce personnage, il est à la fois libre, c'est un personnage qui assume une sexualité, c'est montré, c'est des choses qui sont plutôt cachées d'ordinaire. Mais par exemple, le rapport de cette femme, il y a cette scène de séduction, moi j'avais... commencer à la jouer en répétition et Philippe m'a dit ah non c'est pas du tout comme ça, parce que effectivement j'avais commencé à la jouer comme ce qu'on raconte d'une scène de séduction, c'est-à-dire généralement une séduction qui est plus de l'ordre du masculin, c'est-à-dire une femme qui se comporterait comme un homme pour attraper un homme, et c'est pas du tout ce que Philippe voulait. Et ce que je voudrais, c'est pour ça que je pense que le monsieur se fait fausse route quand il m'accuse de quelque part de dire du mal des femmes. Je voudrais, moi, prouver que l'énergie de la libido féminine la tourmente autant que peut tourmenter l'énergie de la libido chez l'homme. Alors évidemment, c'est très compliqué de parler de ça et de faire une étude là-dessus. Et qui plus est en art où il y a quelque chose qui est justement pas de l'ordre de la philosophie, on peut dire des choses justes comme des choses injustes, c'est difficile de révéler la part d'ombre chez la femme qui est ignorée jusqu'à au début du siècle dernier par l'homme. Et donc je pense que les femmes ont des vies... sexuelle aussi complexe que les hommes dans la société, et que c'est quelque chose qui est très 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 caché, alors qu'en fait ça devrait être admis et ça permettrait aux gens d'être plus tolérants. Non, plus longtemps en couple surtout. Et du coup, non, j'ai une petite fille, du coup je partage le même... La même étrangeté et en même temps plaisir à être avec un enfant.
Mais en même temps, lui, le personnage, il a l'air carrément tout le temps très très clair dans sa tête. Et moi, comme je m'inquiète tout le temps pour ma fille, j'ai toujours peur pour elle qu'il lui arrive un truc. Des barrières. Qu'est-ce qu'il y a, tu veux plus vivre avec moi ? Des limites, ça aimé. Ah non, moi j'ai pas de limites. Fais gaffe, mon petit, c'est dangereux. On est tous là pour vivre à fond, pour vivre le plus de choses possibles, pas pour attendre. Je vais être en vie jusqu'au jour où ce sera vraiment fini.